Shanaya, Atom. Bonjour mes amis, bienvenue dans la science avec Shanaya. Aujourd'hui nous allons apprendre l'atome. Voici la pomme est une matière. La matière est partout présente autour de nous. Un atome est un minuscule morceau dans la matière, invisible à l'œil nu. Les atomes sont présents dans tout ce qui nous entoure. Toute la matière est composée d'atomes, les pierres, les êtres vivants, l'eau, l'air. L'atome est représenté sous forme d'un point, parfois sous forme d'une bille pour faciliter la compréhension. Un atome est constitué des électrons qui tournent autour d'un noyau. Le noyau est constitué des nucléons, protons et neutrons. Le proton et le neutron sont composés de quarks, qui sont des particules élémentaires. Le proton est composé de deux quarks U et d'un quark D, tandis que le neutron contient deux quarks D et un quark U. Les électrons, les protons et neutrons sont appelés particules. Chacune de ces particules a une charge différente, les protons ont une charge positive, les neutrons une charge neutre, c'est-à-dire nulle et les électrons une charge négative. Exemple d'un atome, l'atome d'hydrogène, c'est le plus simple. L'atome d'hydrogène, de symbole chimique H, est composé d'un unique proton, en rouge, qui forme le noyau. Et d'un électron, en bleu, gravitant autour du noyau. C'est l'élément le plus abondant dans tout l'univers, puisqu'il constitue plus de 90% de tous les atomes. Le proton possède une charge électrique positive, plus, et l'électron une charge négative, moins. Donc, vu de l'extérieur, l'atome ne possède pas de charge électrique, car la charge positive du proton est annulée par la charge négative de l'électron. On dit qu'il est neutre. Assemblage. Lorsque les atomes sont reliés dans un ordre précis, forment une molécule. Exemple, la molécule d'eau, nous avons deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, d'où le fameux H2O. Les atomes sont classifiés périodiquement sur un tableau pour les distinguer facilement. Au revoir les amis, à bientôt.